Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basque? C'est le moment de montrer au monde de quoi on est capable. On est toujours dans le coup et on va le prouver en battant les high five. Notre avenir repose sur ce match, c'est compris? Tony, il fallait vraiment qu'on se lève si tôt. C'est vrai, le match contre les pauvres n'est que dans 2 heures. Ce qui nous laisse 2 heures pour nous entraîner. Ça ne va pas être un match facile. Tony a raison. On a gagné de justesse la dernière fois. Il va falloir être sur le coup dès le début du match. Ils seront prêts pour la revanche. Oh, cool. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, génial! Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Le cirque Zabini est en ville. Regarde ça, Mia. Ça a l'air trop cool. On peut y aller, Tony, s'il te plaît? Si on a le temps, Léo. On pourrait améliorer notre jeu, apprendre de nouvelles combinaisons, tu vois. Toi, si le cirque t'engage, ce sera plutôt comme clown. Le dernier sorti prend les bouteilles d'eau. Hé, hey, allez, dépêchez-vous, l'heure tourne. Vous êtes prêts? Bienvenue les High Five. Voici mon équipe: Winston, Nim et Bongo. Je suis Robbie, leur dresseur et leur coach, et nous sommes venus jouer un match contre vous. Et si on refuse, vous occupez notre terrain, c'est ça? Et donc, le seul moyen de le récupérer, c'est de jouer un match contre vous? Exactement. Et ne croyez pas que vous puissiez nous chasser. Nous sommes sur un terrain public. Eh ben, on ira jouer ailleurs, n'est-ce pas, Tony? Libre à vous. J'imagine que vous avez peur de perdre. Bien sûr que non. On n'a pas peur d'une bande de singes. Winston n'aime pas être traité de singe. C'est un gorille. Alors, vous relevez le défi. Ce sera 3 contre 3, je vous préviens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait faire un bon échauffement? Sans moi, c'est une idée débile. D'accord avec Rudy. Moi j'en suis. C'est encore mieux que le cirque. Bon, si Léo joue, moi aussi. Et moi aussi. Marché conclu, Robbie. Parfait. Ce sera un match que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ça, j'en suis sûr. Ah, au fait, j'ai invité quelques chaînes de télé. Je m'en voudrais de décevoir vos fans. J'ai besoin que vous me rendiez un service. À tes ordres. Ceci n'est pas un simple match de basket. Quelque chose se trame, et je parie que ça a un rapport avec le cirque. Le cirque Zabini dont parlait Léo? Ce n'est qu'une intuition. Mais allez quand même y faire un tour. Pendant ce temps-là, on va jouer au basket. Enfin, je crois. Ici Alley-Oop avec des infos incroyables sur les High Five. Tellement incroyables que j'ai moi-même du mal à y croire. Ils ne sont que 3 et ils jouent contre une bande de singes. Oh, pardon. 2 singes et 1 gorille, désolé. Et maintenant, installez-vous confortablement et profitez du show. Ah!
Là-bas! Non, tout est fichu. Incapable. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Waouh, c'est trop chouette. Oh, ah, vous voilà enfin, pas trop tôt. Vous nous attendiez? Bien sûr, allez entrer, dépêchez-vous. Voici vos costumes. Les vestiaires sont là-bas. J'espère que le nez est à la bonne taille. Je crois qu'il y a erreur. On n'est pas des clowns. Pas des clowns, pas des clowns. Mais alors qu'est-ce que vous faites ici? On se demandait si vous connaissiez un certain Robbie Sawyer. Ah, Robbie! Il a des singes! Ne me parlez pas de Robbie. Oh non, 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 non! Il m'a fait faux bond à la dernière minute. Il a claqué la porte et il est parti, comme ça! Pourquoi il a fait ça? Eh bien. Il a découvert que j'allais le virer. Pourquoi? Son numéro est démodé. Une bande de singes, ça n'attire plus personne. En attendant, il occupe notre terrain de basket. Et on espérait que vous pourriez venir lui parler. Ah, ça, non. C'est votre problème, maintenant. Et bon courage. Salut, Tony. Alors, des nouvelles? T'avais raison. Robbie travaillait au cirque, mais... Mais il s'est fait renvoyer ce matin. Pourquoi? Sabini pense que les singes sont... démodés, qu'ils n'intéressent plus personne. Eh bien, il devrait les voir en ce moment même. Ils font tourner Mike, Léo et Stella en bourrique. Faites tout ce que vous pouvez pour convaincre Sabini de les reprendre. Sinon, il nous sera impossible de récupérer notre terrain à temps pour le match contre les Powo. J'ai la solution! Monsieur Sabini? Vous êtes encore là? Vous avez toujours besoin d'un numéro? Ça, oui. On s'en charge. Si vous promettez de faire sortir Robbie et ses singes de notre terrain. Tu plaisantes? J'ai besoin de clowns. Et vous n'êtes pas des clowns. Non, mais on est des sacrés joueurs de basket. Pas mal. Et ce n'était qu'un petit échantillon, n'est-ce pas, Reddy? N'exagérons rien. Même si vous êtes doué, ce serait une folie de vous faire confiance. Tout à fait d'accord. Vous avez peur? Bien sûr que non. Je prends des risques tous les jours. Mon cher monsieur, vous avez besoin d'un numéro. Les clowns vous ont posé un lapin et nous, on est prêts. La solution est simple, non? Non, je sens que ça va pas me plaire. Bienvenue au cirque. Ouais. Le spectacle est dans 10 minutes. Changez-vous ici. Ça va être la catastrophe. À tout à l'heure. La réalité dépasse parfois la fiction, les amis. Et la réalité, c'est que les High Five se font atomiser. 24-2. L'heure du Panda Dunk. Quelle action incroyable! Tony Parker est avec moi. Tony, les High Five sont en difficulté. Dites-moi, quel est votre sentiment? Eh bien, Ali, mes joueurs font de leur mieux. C'est une situation inhabituelle. On me signale que beaucoup de gens regardent le match. Comment vous vous sentez? Populaire? Derrière toi, Stella! Aïe, 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 en
encore un tir à 3 points de Pongo. Score 37 à 2. Temps mort! Temps mort! Ils nous ridiculisent, Tony. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de tes conseils. Bon, c'est normal d'avoir un temps d'adaptation. Vous apprenez à connaître leurs techniques. De mon côté, j'ai observé leur stratégie et... T'es aussi perdu que nous. À vous. Oui, je ne sais vraiment pas quoi faire. Eh bien, Robbie, vous êtes incroyable. Correction, mon équipe est incroyable. Je ne suis que leur coach. Mais d'où sortent-ils? En fait, nous faisions partie du cirque Zabini. Celui qui est en ville en ce moment? Exactement. Alors, Tony, il doit bien y avoir une solution. On doit marquer plus de points. C'est une première pour moi. Je n'ai jamais joué contre des singes. Revenez aux fondamentaux. Placez vos tirs, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a, Frangine? On ne joue pas contre des humains. Ouais, c'est bien ça le problème. Peut-être pas. Les enfants, ne vous éloignez pas trop. Vous avez fière allure, les enfants, de vrais artistes. C'est bientôt à vous. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais pressentiment? Qu'il y a, je peux pas y aller. Et voici venir un numéro particulièrement étonnant. On les applaudit bien fort, Rudy et Mia. Allez, on a l'habitude de jouer devant un public. Ouais, mais en équipe, tous les cinq. Là, c'est complètement différent. T'inquiète pas, je reste avec toi du début à la fin. Aujourd'hui, l'équipe, c'est toi et moi. C'est quoi ce truc? Si tu paniques, concentre-toi sur moi. On va mourir, c'est sûr. Tu crois que beaucoup de gens nous regardent? Non, t'inquiète, qui voudrait regarder un match aussi bizarre? On y croit. T'es mort. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Écoutez, on joue contre un macaque, un gorille et un orang-outan. Sans blague, on n'avait pas remarqué. Vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'ils sont incapables de jouer en équipe naturellement. Ils sont dressés et ils répètent toujours les mêmes séquences. Comme quoi? Winston n'arrête pas de nous bloquer. Mais donnez-lui une banane et il devient doux comme un agneau. C'est tout ce qui l'intéresse. Tu veux qu'on lui donne à manger? On n'a rien à perdre. Opération banane enclenchée. Oh. Bon, ok, d'accord. À nous de jouer. Votre attention, mesdames et messieurs. Rudy le Magnifique doit tirer le ballon à travers les trois cercles enflammés. Rudy, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Concentre-toi sur moi. On forme une équipe. Tu n'es pas seul. Vas-y, Rudy. Tire maintenant vers moi. Je lui tire. C'était fastoche. Je suis paré à tout maintenant. Ça tombe bien. Parce que le prochain numéro est là-haut.
Ok, peut-être pas tout à fait en fait. Par ici, mon joli, regarde ce que j'ai pour toi. Nim, mais enfin! À peine et il enchaîne les tirs à trois points. Mais bien sûr, il ne peut tirer que de cet endroit-là, l'endroit où Robby lui a appris à tirer. On y va. Pongo. Décidément, les High Five remontent à la vitesse de la lumière. Regardez-moi ce score, les amis. Mais on se pose tous la même question. Auront-ils le temps de décrocher la victoire? Je ne pense pas, Ali. Les High Five sont forts, mais mon équipe est meilleure. Hein? On est dans les dernières secondes. La prochaine action sera décisive. Vous avez été grandiose, incroyable, inouï, vraiment fantastique. On pourrait partir en tournée. Certainement pas. On avait un accord, vous vous rappelez? On fait un numéro et vous venez récupérer Robby et ses singes. Oui, vous avez raison. Allons-y, mon camion est garé devant. Pongo, passe la balle. C'est ça, mon grand, passe.
passe, pas comme tout à l'heure. Oh, vous pouvez y arriver. Bien joué, les High Five. Vous avez vaincu mon équipe. Un marché est un marché. Je vous rends votre terrain. Pourquoi vous avez fait ça? Pour être franc, j'espérais qu'en gagnant et en ayant le public de mon côté, je pourrais récupérer notre travail au cirque. C'était bien tenté, mais tes singes restent quand même démodés. Vous en êtes vraiment sûr, Monsieur Zabini? Parce que d'après les réseaux sociaux, ce match a été plus suivi que le All-Star Game. Quoi? Fais-moi voir ça. C'est incroyable. Je n'imaginais pas... Eh bien, je me suis peut-être trompé. Ça veut dire qu'ils reprennent leur numéro? Oui, s'ils le veulent. Ouais, trop bien! Je me disais qu'une augmentation, ce serait pas mal aussi. N'en profite pas non plus. Merci pour tout, et désolé d'avoir squatté votre terrain. Pas de problème, c'était pour la bonne cause. Souriez, tout le monde! C'était sans doute le match le plus bizarre qu'on ait jamais joué. Et aussi le plus fatigant. Ouais, je suis lessivé. Nous, on a mal partout. Salut les High Five, vous êtes prêts? En tout cas, nous on l'est. Bon alors, on le joue ce match?